festival Animaure a lieu du 23 février au 3 mars. Notre lieu principal, c'est Flaget. Et cette année, on s'étend au Théâtre Marny, juste en face de la place Flaget. Et on a étendu un peu la programmation. On a une quinzaine de longs-métrages pour adultes, une vingtaine de programmes de courts-métrages, tant en sélection officielle que dans des programmes spéciaux. Pour les enfants, on a une trentaine de programmes différents, courts et longs confondus. Et puis on a tout un volet de rencontres professionnelles, une plateforme, plein d'événements sur le côté, une expo avec des grands robots. Enfin, il y aura plein de choses à cette édition. Pour la première fois, on fait un focus sur un genre, le genre science-fiction. D'habitude, on faisait toujours des focus sur des pays. Et puis, dans ce qu'on recevait comme film, il y avait beaucoup de films qui traitaient de la science-fiction. Et comme Cyril Pedrosa, qui a fait notre affiche cette année, avait fait une affiche vraiment très, très science-fictionnesque, on s'est dit, bah, c'est l'occasion de tout miser sur la science-fiction. Et donc, on a des programmes de courts-métrages en sélection officielle. Il y a une partie de la nuit animée qui sera science-fiction. On remontre des classiques comme La planète sauvage. Et puis il y a un petit programme pour les enfants aussi qui traite du sujet. Donc il y en a vraiment pour tous les publics. Dans les Belges, on aura 4 programmes de films belges. Il y a 2 programmes en compétition professionnelle, 1 programme d'étudiants et 1 programme de coproduction. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus de coprod avec la Belgique en séries télé, en spéciaux télé, en court-métrage, et c'est avec la Suisse, les Pays-Bas, et donc on fait un programme qui met en valeur ces coproductions. On a un programme professionnel qui s'appelle Futuranima. Et c'est des conférences tous les jours, pendant toute la semaine. Et donc il y a des événements qui sont destinés vraiment aux professionnels aguerris. Par exemple, ils ont la possibilité de faire du recrutement. Il y aura une table ronde sur les intelligences artificielles. Et donc il y a des choses qui touchent vraiment les professionnels déjà qui sont vraiment bien dans le métier. Et puis on a plein de conférences, plus d'ailleurs pour les jeunes professionnels et les étudiants, beaucoup de making-of de films pour comprendre les processus de la stop-motion, du jeu vidéo, de l'écriture de scénarios, de la musique dans le cinéma d'animation. Et donc ça leur permet en une semaine d'avoir de nouvelles connaissances sur tout un tas de films et tout un tas de métiers qu'ils ne connaissent pas encore peut-être tout à fait bien. Et ces rencontres professionnelles, elles sont aussi ouvertes au grand public, donc n'importe qui vient.